Veuillez m'excuser, pardonnez-moi, mais tout autant que Philippe, comme vous me l'aviez dit, Père Vincent Sénéchal, le soir du 28 juillet 2022, vous rappelez-vous ce que vous m'aviez dit? C'était quelque chose de aberrant, car vous parliez à la personne qui a fait du mal, certes, qui a le droit d'être accompagné. Entièrement d'accord. Mais vous n'avez pas, à un seul instant, pensé à la douleur, au risque potentiel pour la victime que je suis. Vous m'avez dit, vous m'avez écrit, concernant l'état actuel de détresse de Père Philippe, nous avons prévu un lieu de résidence où il pourra être accompagné et ne pas être seul, car dans son état, on peut craindre qu'il se laisse submerger par des pensées néfastes. Donc, on a prévu de l'accompagner au mieux. Soyez tranquille. Et tranquille de quoi? Veuillez m'excuser, pardonnez-moi, mais tout autant que Philippe, je suis un humain, mais solitaire, meurtri, sur mon dernier chemin. Que les amis de Gilles, qui mentent sur des mensonges, aillent au diable. Je fais confiance à une seule et à la même personne que depuis le 20 juillet 2022. Voyez-vous, depuis ce jour-là, pas un jour de répit, pas un jour, pas une nuit, pas un instant, sans être pris de nausées, de pleurs, de rage, de traumatisme, de ce putain d'enfer, qui avait commencé, certes, en France, à Dinard, avec ce cousin Olivier, à partir de l'été 99. Puis, à Paris, avec ce directeur d'anglais, William, de l'école Ilingua School, à partir de l'an 2000. Puis, enfin n'est pas vraiment le mot, j'espère pour la dernière fois, en 2022, sur mes terres de vie, d'espérance, de joie, de bonheur, de nature, de famille. Au Japon, sur l'île de Hokkaido, perpétré par un missionnaire des missions étrangères de Paris, le père Philippe Rittershaus, et où sa famille, les MEP, me cause bien des ennuis. À la suite de mes révélations des faits et actes, le 23 juillet 2022, depuis le Japon, par téléphone, que le père Philippe m'a fait subir, mais aussi de sa double vie avec ses partenaires Claire, des missions étrangères de Paris, mais aussi dominicains, sulpiciens, et de différents diocèses de France, du Japon, également avec des laïcs. Dès que les missions étrangères de Paris, c'est-à-dire le père Vincent Sénéchal, mais aussi le père Étienne Frécon, mais aussi le père François-Xavier Or, et puis ce que je ne savais pas évidemment, c'est que derrière tout ça, il y avait un avocat qui les aide. Mais moi, je ne pouvais pas savoir tout cela. Donc, ils m'ont demandé de rentrer en France alors que je m'apprêtais à porter plainte à Tokyo. Où le père Philippe Rittershaus m'avait avoué ses crimes oralement et par écrit à moi entre le 21 et le 25 juillet 2022, mais également à ses supérieurs, père Sénéchal, Frécon et Or, par téléphone, le lundi 25 juillet à 14h, dont le père Or et le père Sénéchal m'ont confirmé ce téléphone, les détails et les aveux, le 18 mars 2023, au Japon, à la gare ferroviaire de Fukuoka, où le père François-Xavier Or, devant moi, en la présence de père Vincent Sénéchal, m'a confirmé les dires, les aveux de
père Philip Rittershaus, à savoir, oui, il a reconnu les crimes, les abus sexuels qu'il a faits envers moi, contre moi, sur moi, à mon insu. Confirmation très particulière du supérieur général des missions étrangères de Paris, père Vincent Sénéchal, mais aussi de son représentant du Japon, le père François-Xavier Or. Car, le 30 juillet 2022, dès que le père Philippe a posé les pieds en France, il aurait, de son plein gré, poussé par ses supérieurs et ou par ses amis et partenaires clairs à mentir, en disant l'inverse de ce qu'il avait dit 5 jours plus tôt. Je le sais car, le 2 août 2022, les nouveaux aveux de père Philip Rittershaus ont été partagés aux 150 et quelques missionnaires dispatchés à travers les pays d'Asie, de Madagascar et de France, mais aussi à certains salariés des MEP. C'est étrange, non ? Jusqu'à atterrir dans les boîtes mail de personnes, dont la mienne, alors que nous ne sommes pas censés connaître le contenu confidentiel de cette lettre, où surtout, et là c'est grave, le supérieur général des MEP, n'étant pas enquêteur ou juge, n'a pas à dire la nature des faits et si oui ou non les rapports étaient consentis. Dès que je suis arrivé, et jusqu'à ce jour du 21 août 2023, les missions étrangères de Paris ne m'ont jamais remboursé mes billets d'avion. Rien, pas un centime, niet, nada, rien. Ils ont toujours refusé de m'aider, ils me l'ont dit à moi, tant père Sénéchal que père Or, que d'autres prêtres. Donc, ils ont refusé de m'aider de peur que cela ne leur retombe dessus. Mais aussi, ils m'ont fait comprendre que c'était à moi et à mes parents de payer tous mes frais de logement, de vie, de soins des suites de mon agression sexuelle, des traumatismes, mais pas seulement, que je devais me débrouiller à trouver un avocat, des médecins et tout ce qu'il y a de nécessaire pour accueillir, aider, soutenir la victime vulnérable que je suis. Car cela aussi, les MEP le savent depuis le départ que je suis autiste Asperger. Toutes ces décisions incompréhensibles, inadmissibles, provoquantes, harassantes, me poussant jusqu'à bien des manières de mettre fin à ce monde sale, mensonger, manipulateur. Mettre fin à mes jours en me faisant exploser ma putain de gueule à ma manière, où cela ne sont plus des rêves, mais des projets concrets, où mes filles seront ma seule trace de vie sur cette planète inhospitalière aux personnes atteintes d'un handicap invisible aux neurotypiques que vous êtes, dont certains sont des neurotypiques vraiment demeurés. Non mais, vous vous rendez compte de ce que vous me dites depuis le 23 juillet 2022 ? Vous tous qui êtes responsables, à différents degrés, ce n'est pas un jeu, ni une partie de plaisir. Voulez-vous le temps d'un instant que l'on échange les rôles, je vous assure, vous en baverez. Mais je ne vous le souhaite pas. Près de 14 mois de ma vie n'est plus celle d'avant, où je suis seul contre vous tous, à ne plus oser sortir dehors ou à de très rares occasions. Mais tiens, au fait, puisque vous ne vous y inquiétez pas, je vais vous dire une couleuvre dont j'ai été contraint d'avaler
dès mon retour au Japon. Non seulement la mère de mes filles m'annonce que dorénavant, nous sommes un couple de violets. Oui, vous avez bien entendu. Ce n'est pas un jeu. Kyoko ne m'avait jamais dit, en 20 ans de vie sous le même toit, ce qui lui était arrivé de dramatique. Ma parole d'aujourd'hui peut vous surprendre. Pourtant, je reste un humain, je suis un humain. Pardon. Oui, pardon, tout cela. Comment vous dire, excusez-moi, mais comme je l'ai dit à un ami prêtre il y a quelques jours, tout est trop lourd pour le Timothée qui vous parle. Oui, la maman de Amy Olivia et Luna Sophie a été quelques mois avant de me rencontrer abusée, violée sexuellement par ce qu'elle considérait comme un ami. Et pas n'importe lequel. Je ne ferai pas de détails car cela mènerait probablement le Japon et l'autre pays impliqué à un incident diplomatique. Kyoko m'a expliqué très brièvement qu'à son âge, mais aussi parce que c'est une femme, mais aussi parce que son pays est mal constitué, n'a pas pu, voulu, su faire ce qu'il fallait. Kyoko, d'après ses dires de février 2023, lorsque je suis rentré au Japon, ne considère pas qu'un viol sexuel comme je l'ai subi, comme je l'explique dans mes nombreuses vidéos, afin d'en extraire un peu de douleur que j'ai en moi, eh bien, Kyoko ne considère pas cela comme traumatisant et à devoir en faire toute une montagne, à passer son temps là-dessus. Elle m'assure se porter comme un chat depuis son agression et en revanche m'indique que je dois également reprendre ma vie d'avant en oubliant tout. Kyoko m'a réaffirmé comme ce qu'elle m'avait dit en novembre 2020, son dégoût envers moi, de continuer à vivre, non pas comme un couple, mais comme une famille, dans la joie de vivre, et le souhait de vouloir divorcer à la majorité des filles. Ça n'a pas changé. En février 2023, à mon retour au Japon, Kyoko n'avait pas bien compris où j'en étais avec cette affaire du prêtre Mep, dont elle se fiche complètement. Car déjà, Kyoko n'est pas catholique. Et puis, ce n'est pas sa vie. Et oui, il faut dire qu'au Japon, ce ne sont pas des choses qui se passent. Et si, quand bien même cela existerait, personne n'en parle. Ce n'est pas bien et bon pour l'entourage. Oui, comme le disait si bien les Missions étrangères de Paris, en titre de leur magazine numéro 586 du mois de novembre 2022, le Japon est la force des traditions. Oui, c'est la stricte vérité. Donc, Kyoko m'a annoncé son point de vue qui m'a été fatal et dont je garde la vérité, les douleurs et les critiques pour moi et en moi. Tim, tu es parti à Hokkaido, c'était ton choix. Tu as eu une mésaventure malheureuse, certes, mais tu peux, tu dois oublier et passer à autre chose pour te consacrer pleinement à la vie de famille et rester vivre avec nous à Kagoshima. Si tu décides de porter plainte contre le père Philippe et les autres, c'est ton choix, pas le mien, ta vie, pas la mienne. Il faut penser au futur, oublier le passé, qui n'est pas traumatisant. Qu'est-ce que c'est que ce mot que vous, les étrangers, vous utilisez, le mot traumatisant? Le suis-je, moi, après le mien? Non. La vie continue, Tim. J'ai mon café, ma maison,
les filles, le basket, mes copines, etc., etc. Je mets une petite parenthèse là, no comment, parce que ce que Kyoko cite là, c'est vraiment grave. Mais bon, cela me regarde. Ton pays, ta famille, dont ton grand frère, qui n'aura fait que nous mentir, votre religion catholique, qui ne représente que le mal, que des mensonges, où les confessions sont bafouées, manipulées à des fins malsaines. Tim, dorénavant, je t'interdis d'emmener nos filles dans une église et de leur expliquer que c'est une deuxième famille. De leur dire ce que tes parents, ton pays, ton catéchisme t'a enseigné. Car comment faire confiance à cette religion catholique qui a abusé de toi, à ces prêtres qui paraissent tout gentils et puis dans un coin, par derrière, se font abuser. Non, je ne veux pas de cela à nos filles. Voilà tout ce que m'a dit Kyoko. Mais également, ton bateau, ton vélo, tes merdes, ton syndrome d'Asperger. Nous, on n'a rien demandé. C'est ta vie, c'est tes problèmes. Après les aveux et opinions de Kyoko, je m'en suis pris plein la gueule. Et puis, on ne s'est plus parlé. Ou on fait semblant devant les enfants. Ce n'est qu'au début juillet, il y a 6 semaines de cela, nous avons eu, en présence de nos filles, une altercation verbale où Kyoko fait tout pour cacher la vérité, toutes les vérités, à nos filles. Eh bien, je me suis senti légitime, en droit de partager la vérité en famille. Nos filles, mes filles, ont 50% de leur sang de leur papa Asperger. Elles ont l'habitude, elles me connaissent parfaitement bien. De ce fait, Amy Olivia et Luna Sophie connaissent toute la vérité, toutes les vérités, de long en large, tous les détails. Tout cela ne se serait probablement jamais passé si, dès le 25 juillet 2022, les responsables de Père Philippe Rittershaus, les missions étrangères de Paris, au Japon et en France, avaient pris convenablement leurs responsabilités. Voyez-vous, un drame entraîne un autre drame. Cela sera-t-il sans fin? Mais bon sang, où se trouve donc la voix VOIE et la voix VOIE X de Dieu dans tout cela? Nous a-t-il tous abandonnés? Ou là je mets plein de points d'interrogation. À en croire tous les responsables de l'Église catholique romaine en France et au Japon, la réponse à ce jour serait oui. Pour finir, dans cette parole d'aujourd'hui, je tiens à vous informer que, comme je l'avais prévenu par mail le 25 mai 2023 aux 25 hommes et femmes qui m'ont reçu, écouté en France et au Japon, je me permettrai de donner suite à ma manière, dans le respect des lois des hommes et des pays, d'un petit cadeau qui ne serait tardé.